Bienvenue sur Fashion Addict TV, la chaîne qui adore la mode et que la mode adore. Fashion. Bienvenue sur Fashion Addict TV, la chaîne qui adore la mode et que la mode adore. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de Lyon. Lyon qui est l'une des plus grandes villes de France avec plus de 1 million d'habitants. Nous sommes toujours sur Fashion Addict TV où on vient d'arriver à l'une des rues les plus emblématiques de Lyon, la rue de la République où on rencontre tous les fashionistas de Lyon, où on rencontre toutes les grandes marques, les grandes enseignes telles que Le Printemps, Swarovski et bien d'autres marques. Et tout juste derrière moi, vous avez l'impressionnant Lyon, ce Lyon sublimement magnifique et majestueux qui porte une couronne de roses, parce que nous sommes aussi en plein festival mondial des roses. Nous allons assister à la Fashion Glam Couture organisée par Myriam Larrière. Ça sera tout de suite à l'hôtel Best Western Le Charlemagne. Nous sommes arrivés à l'hôtel Charlemagne, hôtel 4 étoiles, où va se dérouler la Fashion Glam Couture organisée par Myriam Larrière. Tout de suite, les coulisses. En train d'être mis en place ici à l'hôtel Best Western de Charlemagne pour la Fashion Glam Couture deuxième édition organisée par Myriam Larrière qui est au four et au moulin, dont tout de suite vous aurez bien sûr une interview exclusive de Myriam Larrière sur ce grand événement qui a lieu à Lyon. Donc voilà, nous allons aller dans les loges maintenant pour voir les préparatifs des mannequins. Les loges, nous sommes dans les loges maintenant et puis on va à la rencontre des mannequins. Des mannequins qui vont nous donner aussi leurs impressions sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est la bonne ambiance. Alors. Là, nous avons une créatrice de bijoux. Bonjour, oui, bonjour. Comment vous appelez ? Daisy. Daisy, c'est charmant comme prénom, Daisy. Oh, c'est américain, c'est un petit prénom qui signifie la fleur. Donc, vous voyez, je suis une fleur. Waouh ! En tout cas, nous, sur Fashion Addict, on adore les fleurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce que vous allez présenter aujourd'hui pour la Fashion Glam Couture ? Alors, aujourd'hui, en fait, c'est toute ma nouvelle collection DVS, en fait, composée de perles de culture. Je travaille beaucoup la perle de culture. D'accord. La pierre semi-précieuse. D'accord. Mais que je vais associer énormément avec, donc, vous allez voir, vous voyez bien, avec le métal, ou l'organza, la suédoise. Et ça, c'est tout nouveau. C'est un mélange, en fait, un côté cuir, un côté perle-pierre. Wow, et qui se porte, celui-ci est en double. D'accord. Le long du cou, comme ça. Ah, il est magnifique en tout cas. Et on peut le mettre en bracelet aussi. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Et vous appelez comment? Fabienne. Et vous? Mégane, vous êtes mannequin, je suppose. Oui, c'est voilà, ça. Avec votre belle silhouette, ça se voit. Et madame, elle est créatrice? Oui, pour la lingerie. D'accord, pour vous présenter juste quelques minutes pour... Oui, donc moi je présente la lingerie ce soir pour Tout en Charme. Je propose ma lingerie à domicile. Je me déplace au domicile de mes clientes pour être confortable dans les essayages. D'accord. Voilà. Alors pourquoi Fashion Glam Couture ? Eh bien, parce que nous sommes avec Myriam deux femmes de forte tête. D'accord. Et on s'entend bien, donc quand c'est possible, on travaille ensemble. Bonjour. Bonjour. Alors, vos impressions sur cette magnifique tenue que vous portez ? Bah écoutez, je la trouve absolument magnifique. Et vous vous appelez comment ? Ibtissem. Ibtissem, mannequin depuis combien d'années ? Je fais ça de temps en temps, depuis un petit moment déjà. De temps en temps, ça veut dire que vous faites autre chose à côté alors ? Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites à côté ? Je suis étudiante en droit. Bonjour, comment vous appelez ? Charlène Genevoix. Charlène Genevoix. Alors, est-ce que vous nous direz un mot sur votre magnifique travail ? Alors, c'est une création qui travaille sur le thème pixel. D'accord. Et je l'avais présentée aussi à Paris et j'ai imaginé une robe assez transparente, translucide. Elle s'appelle La Petite Sirène.
Alors, nous allons répartir un ami que j'ai repéré depuis tout à l'heure. Donc, il va nous donner des impressions sur ce qu'il est en train de faire. Bonjour, mes jeunes hommes. Bonjour, ça va bien? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, en fait? Alors, je suis en train de faire des pinces pour réduire une robe qui est trop grande pour une des mannequins. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu chiant de le faire à la main, mais bon, voilà, on est obligé. Les aléas du métier. Et vos attentes pour la fashion glam couture de ce soir? Présenter la nouvelle collection, me faire connaître un peu plus, un peu partout, sur la région lyonnaise, d'accord, parce qu'il n'y a pas que Paris. Et ça, c'est de la soie sauvage, non, j'imagine. Ça, c'est pas de moi. Ça, c'est pas de vous? Alors, ah. C'est ici de vous, alors. Voilà. La veste? La veste, oui, qui est réversible. La robe, déjà, qui a un an, robe de mariée. Stella. IBS, waouh. En tout cas, c'est magnifique ce que vous faites. On a hâte de voir sur les plateaux. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Oh là là, j'aimerais toujours voir les make-up artistes aussi jolies que cette demoiselle. Comment vous appelez? Céline. Céline, enchantée. Oui, enchantée. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire à cette jolie fille? Eh ben, je lui fais un petit maquillage pour qu'elle se sente belle pour le défilé, tout simplement. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes partie sur quelle thématique, vu qu'il y a plusieurs créateurs, vous avez un plan de collection ou vous travaillez sur, par rapport à ce que vous voyez Je travaille par rapport à ce que je vois, plus au feeling en fait. Ah, c'est plus tout au simplement. Feeling. Voilà. Donc une vraie artiste. Voilà, on essaye. On essaye. C'est une organisation que je prépare depuis beaucoup de mois, depuis le défilé d'Annecy qui datait depuis novembre l'année dernière. Donc voilà, des mois de préparation et du coup beaucoup de travail en amont. D'accord. Pour un résultat parfait, je pense, ce soir. On va être fixé tout à l'heure. Il y a des créateurs très motivés et du coup qui ont des magnifiques choses à présenter, voilà, qui n'ont jamais été vues sur aucun défilé, donc ça c'est génial. Des mannequins exceptionnels qui viennent de toute la France, voilà. Que vous dire de plus, beaucoup de magazines ce soir et on attend 400 VIP au sein de l'hôtel. Nous, c'est Fashion Addict, on adore la mode et on est très très ravis de recevoir une grande dame comme vous qui a encouragé les jeunes créateurs. On sait combien de fois c'est dur et on aimerait savoir comment vous êtes arrivée dans cette aventure de soutien des créateurs. Bah, c'est de fil en aiguille parce qu'au départ, si vous voulez, j'étais commerçante et j'avais une boutique de prêt-à-porter. D'accord. J'ai commencé à organiser mes premiers défilés il y a plus de 5 ans. Mmh. Et du coup, au fur et à mesure, après avoir créé ma propre marque, je me suis aperçue que c'était très difficile pour les jeunes créateurs de pouvoir se faire connaître, de pouvoir trouver des clients. Et c'est quand même le nerf de la guerre, hein. Sans client, on ne peut pas exister. Absolument. Et c'est pour ça que j'essaye dans mes événements et d'avoir un public averti qui aime la mode et qui a aussi du pouvoir d'achat. Parce que d'accord, si on ne peut pas acheter, bien sûr. Bah forcément... Voilà. Et du coup aussi d'avoir beaucoup de médias, ce qui permet une bonne communication sur l'événement et voilà, et le bouche à oreille se fait, ça marche très très bien. Nous sommes toujours sur Fashion Addict TV où nous allons recevoir la peintre Clarisse Baquès, peintre avec un travail magnifique et que nous avons découvert ici à la Fashion Glam Couture à Lyon. Alors bonjour Clarisse. Bonjour Angie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre travail? Alors je peins des femmes, essentiellement des femmes et de dos, parce que je pense que les femmes s'expriment également de dos avec leur corps. D'accord. Et d'où vous êtes venue cette magnifique idée de peindre les femmes, de se l'une des femmes? Ça, j'aimerais bien qu'on me le dise. C'est venu spontanément quand on m'a donné une toile et un pinceau. Voilà ce qui est sorti de moi. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous faites ça? 3 ans. Nous sommes accompagnés de la créatrice Lusaki qui fait des merveilleux sacs couture. Donc aujourd'hui, elle est ici à Fashion Glam pour présenter sa collection. Bonjour Lusaki. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes ravissante. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail? Alors, donc, j'ai une collection de trois sacs.
D'accord. Donc un sac à main, un cabas ainsi qu'une bandoulière. D'accord. Ils sont faits en 100% cuir de vachette. D'accord. Et donc la signature de la marque se voit par la fermeture qui, comme vous pouvez le constater, est en strass. Wow, et faite de strass. C'est très 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 original. Alors les sacs sont fabriqués où? C'est de la fabrication européenne. D'accord. Et vous êtes basé où en fait, Moussaki? À Paris, sur Paris. Est-ce que vous avez une adresse si les gens veulent vous trouver, vous rencontrer? Oui, donc vous pouvez aller au Concept Store Modalis dans le 17e arrondissement de Paris. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous faites ce métier en fait? J'ai commencé en mai 2014. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, je remarque ta sublime robe rouge. Merci, qui a été portée par un mannequin tout à l'heure et maintenant par la présentatrice. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta collection? Bah écoutez, là c'est une nouvelle collection, c'est du rouge, c'est une robe de cocktail, ou voilà, pour différentes mariées qui osent un peu changer les traditions et puis voilà. Et comment vous appréhendez le défilé de ce soir? J'appréhende pas, c'est cool. Tu laisses faire, tu laisses venir. Faire, comme ça doit passer, voilà. Fashion Glam Couture, c'est terminé pour cette magnifique édition. Myriam Larrière nous donne rendez-vous du 12 au 15 novembre à l'Imperial Palace à Annecy. Restez scotchés sur Fashion Addict TV, la chaîne qui adore la mode et que la mode adore. Fashion Addict TV. Bienvenue sur Fashion Addict TV, la chaîne qui adore la mode et que la mode adore. Fashion.